Bienvenue dans ce tutoriel. Découvrons comment utiliser l'espace de stockage. Cliquez sur Espace de stockage dans le menu de la page d'accueil. L'espace est séparé en deux parties. Un espace privé pour stocker vos documents, ils ne sont visibles que par vous. Un espace public pour rendre les documents visibles par tous. Vous les partagez et vous pourrez également les intégrer par la suite à un module. L'espace de stockage privé va vous permettre de créer un dossier dans lequel vous pourrez télécharger des images à partir de votre ordinateur ou tout autre document. Les icônes à droite d'un fichier permettent soit de le télécharger, soit de le supprimer. L'espace de stockage public permet d'échanger les fichiers entre les membres d'une même structure ou de se servir d'un fichier public dans un module. Il fonctionne comme l'espace privé. Vous avez la possibilité de créer des dossiers et de télécharger des documents à partir de votre ordinateur. Les icônes à droite de la vignette sont identiques. Mais vous avez la possibilité d'afficher l'URL de votre document et de le copier dans un module, puisque cet espace est public. Pour savoir comment importer un fichier dans un module, visualisez le tutoriel correspondant. Ce tutoriel est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.